J'ai toujours rêvé d'être jolie. Je suis comme toutes les autres. Moi aussi, j'étais une princesse quand j'étais petite. Une belle princesse. Mais avec un œil en moins. C'était un accident, soit dit. Maman me disait toujours que j'étais la plus belle. J'ai rapidement compris qu'elle mentait. Mon père aurait pas menti, lui. Je crois. À l'école, on m'a exclue. On m'appelait le pirate. Je portais un bandeau. Rien de plus discret. Ils avaient tout un papa et moi non. Il me manquait un œil et un père. Je voulais un papa qui s'occupe de moi. C'est ridicule. J'ai passé mon enfance seule, avec maman. Elle m'appelait ma beauté. N'importe quoi. Et moi, j'y croyais. C'est con, les enfants. À l'adolescence, comme tout le monde, je me suis réfugiée dans la musique. J'avais enfin trouvé un mec qui me plaisait. Et comme il n'existait qu'à la télé, il ne pouvait pas me voir, pas me faire de mal. Je le trouvais beau. Et puis un jour, lui aussi, il m'a lâchée. Lucie, ça va ? Oui, ça va, ça va. J'en ai pas pour longtemps, commande un autre verre. T'es sûr ? D'accord. C'est pas vrai. Après, j'ai fait attention à ne m'intéresser qu'à des gens déjà morts. Jusqu'à mes 19 ans. De toute façon, aucun homme n'a jamais fait attention à moi. Sauf une fois, à 13 ans. Un garçon m'a invité à une fête chez lui. Je le déteste tellement. J'ai fini par faire comme les autres. J'ai voulu essayer. On avait trop bu tous les deux. Regarde ça. Mais... Oh, quoi? C'est trop moche. Mais quoi? Mais... Oh. J'y arriverai pas sinon. Non. Arrête. Arrête. Tu me fais mal. Arrête. Mais qu'est-ce qui te prend? Et puis il y a eu l'autre. Je suis pas douée. Désolée. Oh non, ce que tu fais, ça va, hein, c'est vraiment pas mal. Merci. J'ai pas l'habitude. Bon, par contre, t'es pas très bandante. Hein. Quoi? Bah, ton œil, c'est un peu faible. Par rapport à ma dernière. Je comprends pas. Elle était paraplégique. Impossible de lever les jambes toute seule. J'en sais ce que je voulais. Mais ça vaudra jamais Cécile. J'ai jamais connu mieux qu'elle. Elle est amputée des deux bras, un vrai putain de panard. Et maintenant, il y a lui. Il fait le gentil, mais c'est tous les mêmes. Il m'a sorti que j'étais belle. Connard. Quel menteur. Il irait bien avec ma mère. Mais qu'est-ce qu'il me veut ?
Qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder? Je suis un putain de monstre de foire. Mais c'est eux qui sont laids. Ils sont tous immondes. Je voudrais ne plus jamais les voir. Plus voir personne. Rien. Ils me dégoûtent tous. Au moins, les aveugles, on prend soin d'eux. Avec un peu de chance, on me donnera même un chien.